Et donc salut à tous, c'est PafadelCraft et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans la série des tutoriels ou des explications de logiciels. Et aujourd'hui on va se concentrer sur un logiciel qui est vraiment génial, que un ami m'a conseillé. Il s'appelle Razer Cortex. Donc vous allez me dire, ouais Razer c'est une marque de gaming, ça coûte cher et tout ça. Non, il est gratuit et il est vraiment génial. Donc en fait ce logiciel il consiste à booster vos applications et vos jeux. Donc en gros je vais vous montrer l'interface. Donc il est comme ça, hop là. Donc là vous avez vos jeux ou vos applications. Donc moi là j'ai League of Legends, World of Warcraft, Adobe, Ascensia, Counter, Firefox, Minecraft et Call of Duty. Donc voilà, vous pouvez lancer tout ça avec. Donc par exemple voilà, vous avez envie de jouer à Ascensia par exemple. Donc vous cliquez dessus, hop là, vous arrivez sur cette interface. Donc en gros il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez même sauvegarder vos jeux sur un cloud. Bon après ça moi je m'y suis pas concentré, je me suis plus concentré sur la partie optimisation. Donc vous cliquez sur démarrer le jeu, vous allez voir ça va vous lancer exactement ce qui se passe sur l'écran. Ça en gros ça va éteindre tous les logiciels en arrière-plan pour privilégier le logiciel que vous voulez lancer. Donc là voilà, ça charge et vous allez voir votre jeu va se lancer, il sera lancé beaucoup plus rapidement, vous aurez plus de fluidité sur le jeu. Et quand vous jouerez, si vous activez le compteur d'FPS, vous aurez un compteur d'FPS en haut à gauche. Enfin, moi je vous conseille à gauche, tout petit jaune. D'accord, désolé. Un petit compteur d'FPS en haut, une écriture jaune. Et franchement, vous allez voir que vos FPS sont largement plus élevés. Donc, c'est vraiment nickel. Ensuite, dès que vous fermez le logiciel, là je sais pas pourquoi ça l'a pas fait. Normalement quand vous fermez le logiciel ça vous réouvre les logiciels qui étaient en arrière-plan avant d'avoir optimisé pour le jeu. Donc vous avez une bibliothèque avec vos logiciels, vous mettez tout ce que vous voulez, vous avez juste à cliquer là. Là vous allez dans le dossier voulu ou dans le logiciel voulu. Et après par exemple on va faire un test si vous voulez. On va aller dans 2 secondes. Non, alors c'est pas là, excusez-moi, parce que ce qui est super chiant c'est ça, c'est que dès qu'on clique sur bureau, ça sélectionne le bureau. Donc il faut faire attention, regardez bien que vous avez choisi le logiciel. Attendez, faut que je me rappelle où il est, je crois que ça doit être par là, ouais. Je sais pas où j'ai mon After Effect. Bon sinon au pire on va prendre un truc con, on va prendre FileZilla. Ça doit être par là peut-être, FileZilla, Freemake. Bon, qu'est-ce qu'on a comme logiciel? Je vais prendre un logiciel con en fait, un truc qu'on a de base, enfin qui est pas compliqué. Admettons, on prend le launcher de LOL. Voilà. Vous faites ajouter. Moi, ça va remplacer l'autre. Hein, mais voilà. Dès que vous faites ajouter, ça le met automatiquement. Vous pouvez choisir la couleur de fond. Et dès que vous cliquez dessus, vous cliquez là. Clac. Et vous faites démarrer le jeu. Voilà. Donc, ça, c'était la partie explication de l'onglet jeu. Ici, vous avez le cloud. Donc, vous pouvez les sauvegarder sur Dropbox, Google Drive ou OneDrive. Après, ça dépend de chez qui vous voulez sauvegarder vos jeux. Après, vous avez les offres. Donc là, vous avez... en fait, c'est un peu comme un Steam qui booste vos jeux. Donc, c'est mieux qu'un Steam. Enfin, pour moi. Hein. Donc là, vous avez tous les jeux. Enfin, vous avez plein de jeux conseillés, comme vous pouvez voir. Des jeux qui... des jeux récents comme Fallout, Call of... Rocket League, GTA 5, voilà. Vous avez une grande bibliothèque de jeux. Par contre, c'est en dollars. Donc voilà, après, si vous voulez acheter les jeux, vous comptez que le dollar, c'est, il me semble, un peu plus que l'euro. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'onglet tous les jeux. Tout simplement, là, c'était la vedette au début. Donc tous les jeux, vous avez même des jeux gratuits. Il y a pas longtemps, il y a Jade Empire qui est sorti il y a une heure à peu près. Il est gratuit. Bon, vous voyez, vous avez des jeux à 74 centimes quand même. Donc ça peut être intéressant. Bon après je vous dis pas que c'est des jeux super bien, mais je les ai pas essayé hein, sincèrement.
Je les ai pas essayés, ça a l'air d'être des jeux ouais, un peu vite fait quoi. C'est pas non plus la folie folie. Donc après au Combo Boulevard est quand même. Ah non, vous voyez, regardez là. Si je remonte un peu. Il est où? Je l'ai vu Sniper 2 là. Sniper 2 il est quand même à 1,80€. Et vous avez 25 heures pour l'acheter, donc c'est pas négligeable. Franchement c'est un bon jeu Sniper 2, moi je vous le conseille. Je vais sur PS3, c'est pas mal. Après voilà, il y a des jeux plutôt sympas, mais bon, il y a des jeux aussi mauvais. Donc après, c'est à vous de voir, vous faites un peu votre shopping. Et puis, c'est pour vous expliquer quand même qu'il y a des jeux, des bons jeux quoi, sur ça. Donc après, vous avez les jeux recommandés. Bon, Counter-Strike, Terraria, Garry's Mod, c'est les trois jeux les plus, sûrement les plus joués. Et après, bon, après ça, je connais pas trop. Vous pouvez synchroniser aussi vos jeux sur Steam, de Steam et... de GOG et de Gamergate. Voilà, donc ensuite vous pouvez augmenter votre PC, augmenter la puissance de votre PC qui soit long ou rapide hein. Même sur un PC rapide c'est toujours bien d'avoir plus de puissance. Donc là vous avez ben, là vous avez tous les logiciels qui sont lancés, vous pouvez les fermer, vous pouvez booster, vous pouvez personnaliser votre boost. Après vous pouvez personnaliser après c'est à vous de voir hein. Je veux dire vous personnalisez comme vous avez envie. Moi personnellement je laisse en recommander, ça suffit. Après c'est vous qui voyez. Vraiment c'est vous qui voyez. Vous pouvez diagnostiquer votre PC pour voir qu'est-ce qui fait ramer votre PC on va dire. Là vous pouvez donc régler, vous pouvez corriger les mauvais réglages, accélérer l'affichage du menu, augmenter la priorité aux applications de premier plan. Donc admettons que vous avez des styles de logiciels de boost en arrière-plan style Advanced System Care qui vous plutôt que de vous booster ils vous prennent de la RAM, et bien vous pouvez les fermer pour privilégier vos jeux style demain vous lancez Minecraft, ça va privilégier Minecraft aux autres logiciels. Donc voilà, vous pouvez défragmenter même votre PC ou même enfin vous pouvez défragmenter des applications. Et ici vous avez le compteur d'FPS, voilà. Donc moi je l'ai mis en haut à gauche, je l'ai mis en activé parce que c'est vraiment pas mal. Ça vous indique bah, le taux d'FPS que vous avez, c'est pas un gros truc tout dégueulasse, en haut c'est un petit carré jaune, enfin deux petites écritures jaunes, donc le nombre d'FPS. Et voilà. Donc ensuite vous pouvez partager. Je sais pas trop ce que c'est, je me suis pas trop trop intéressé à ça. Je pense que c'est pour faire des screenshots. Je sais pas ce que c'est ça. Excusez-moi, désolé, hein, c'est un peu chiant d'ailleurs. Vous pouvez même enregistrer, alors ça je le savais pas. Pas du tout. Et là vous avez RV Beta, je sais pas trop ce que c'est non plus. Je pense que c'est une boutique de jeux aussi, ou c'est des tests de jeux. Ou non, c'est des suggestions de jeux, excusez-moi. Donc par exemple, les particuliers comme vous et moi, on peut suggérer des jeux pour que les gens soient. Ben, ils essayent ou des éditeurs de jeux peuvent suggérer des jeux qu'ils ont créés par exemple. Voilà. Donc ça c'était pour la phase explication du logiciel. Maintenant je vous propose qu'on passe à la phase installation du logiciel. Et donc on se retrouve dans tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite. Et donc on se retrouve sur le moteur de recherche. Donc déjà pour commencer vous allez taper Razer Cortex. J'ai marqué Cortex. Bien. Donc vous allez sur premier lien, donc Razer Cortex. Je vous mettrai le lien dans la description bien sûr, hein, toujours. Donc là vous avez le site de Razer, tout simplement. Vous allez juste cliquer là. Télécharger maintenant. Vous avez un setup. Vous attendez que le setup soit terminé. Et donc on se retrouve dès que le setup est terminé. A tout de suite. Et donc on se retrouve après que le setup soit terminé. Donc j'ai oublié de vous préciser que vous pouvez aussi télécharger ce logiciel sur Vista et XP. Donc franchement c'est pas mal. Donc pour ceux qui ont les PC XP et Vista, faut changer de PC les gens. Là faut arrêter. C'est trop vieux maintenant, faut passer à 7, 8 ou 10. Bref, donc quand vous avez téléchargé le logiciel, donc vous avez le setup ici, hop là, vous le lancez, vous l'exécutez. Simplement vous acceptez et vous attendez que le setup se lance
Et puis après, franchement, je vous le fais pour vous montrer, mais je pense que vous le savez. Comment installer un logiciel quand même. Alors c'est un logiciel qui ne propose pas de pub, je tiens à préciser. Style MyPC Pro, je sais pas quoi, les trucs de soi-disant optimisant, mais qui pue la merde en fait, qui vous apporte gros malware. Donc faites attention. Donc vous faites suivant, vous attendez un peu. Donc ça télécharge. Je vais l'installer une deuxième fois, je pense, pour vous. Donc voilà, dès que c'est terminé, vous avez le logiciel qui apparaît sur le bureau. Excusez-moi, l'icône va apparaître, voilà. Et là, vous avez exécuté et vous décochez bot. Et vous faites terminer. Hop là. Bon, je l'ai désinstallé deuxième fois du coup. Voilà. Alors, je pense que ça l'a pas réinstallé, je sais pas. Donc voilà, donc en fait, c'est tout con. Franchement, c'est tout con et c'est un logiciel qui est super bien. Et donc là, vous voyez, ça se lance. Quand ça arrêtera de bugger. Et donc là, vous fermez la page, c'est pas utile de la laisser vu que vous avez téléchargé le logiciel. Et donc bah après, voilà, tout simplement, vous allez avoir le même logiciel que je vous explique en début de vidéo. Vous avez plus qu'à mettre vos jeux, à lancer vos jeux avec ce logiciel et vos jeux seront boostés. Voilà, voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. Partagez-le à vos potes sur Skype, sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie d'avance. Allez, salut !